Bonjour, Yvan Guivic pour Guitare Extrême Magazine. Aujourd'hui, on va travailler un petit solo assez court mais très 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 intense, tiré d'un titre de Elton John. Le morceau s'appelle I'm Still Standing. Je vous montre ça. On a un solo en si bémol. On va retrouver une jolie petite étude de six d'ailleurs à la fin du solo qui sera en si bémol majeur. Mais pour l'entrée du solo, on a plutôt un travail sur une pentatonique. Qu'on pourrait considérer comme étant en sol. Je vous montre l'intro du solo. Donc ça a l'air simple, c'est plutôt simple, c'est le placement rythmique qui est un peu compliqué, donc il faudra faire très attention à ça. L'accord ne part pas sur le 1, et le solo ne commence pas sur le 1 ni sur le 2, il commencera sur le 2 et de la mesure d'après. Donc, un accord de quinte en si bémol, on passe sur la penta, un bend, on recommence. Trois fois la note de si bémol. On passe ensuite sur la montée en sixte, sur la gamme de si bémol majeur. Donc une sixte, en fait, ça va être joué avec deux doigts, n'importe lesquels, hein, ceci, ceci. Une corde de différence. D'écart, pardon. Je vous la refais. Des petits slides entre les notes pour les lier. Donc on monte jusqu'ici. Et on termine par un petit travail. Presque country. Fait tout le schéma. Pareil, on va lier les notes. Et on finit par un si bémol en accord de puissance. J'espère que cette leçon vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Guitare Extrême Magazine. Au revoir.